Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. À l'intention de tout le monde, je tiens à insister car cette vidéo a été tournée avant l'ajout du Trax ainsi que les autres nouveautés. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup je vais faire une tier list de monstres. Donc là en gros je vais classer les monstres en fonction de leur difficulté. Donc je vais les prendre un par un, vous voyez je commençais par le Boreus et je finirai du coup par le Valomir. Donc on va commencer immédiatement. Alors par le Boreus. Alors le Boreus, je le mettrai soit en hard, soit en hardcore. Je pense que je vais le mettre en hardcore. J'hésite vraiment. Parce que, en fait, le Boreus, j'ai fait une vidéo dessus. Il peut faire spawn un bouclier. Et pendant que ce bouclier est actif, il ne prend pas de dégâts sur sa vie. Donc déjà, ça c'est très très chiant. Et de deux, bah, si vous avez sang froid par exemple, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas régénérer sur sang froid lorsqu'il est dans ce fameux mode avec son bouclier. En plus, il invoque tout un tas de spires qui sont beaucoup trop relous et qui vous déboîtent dans vos combos. Alors, c'est un petit peu chiant. Donc, ouais, je pense que je vais le mettre en hardcore parce que vraiment, c'est un mob que je déteste particulièrement affronter. Et bien sûr, je ne l'ai pas fini à 100%, sinon, c'est pas drôle. Bien sûr, quand je dis hardcore, etc., je parle pas des... Je fais hors épreuve. Hein. Pour les épreuves, je tiens pas compte des modifications. Alors, le Charog, je le mettrai en easy. Le Charog, pourquoi en easy? Parce que il est assez lent, déjà. Enfin, il est même très très lent. Et ses attaques, on a le temps de les voir venir. Après, il faut bien sûr connaître un petit peu le Behemoth, mais sinon, franchement, je trouve qu'il est très très simple. Vous pouvez esquiver quasiment toutes ses attaques si vous vous concentrez. Donc voilà. Le Drask. Le Drask, j'hésite entre les deux. Je le mettrai aussi en easy, je pense. Je vais le mettre en easy. Je vais le mettre en easy, c'est bien easy. Pourquoi? Bah, parce que ces attaques sont un peu plus rapides, mais elles sont assez répétitives et il y a moyen de le faire bugger en le faisant tourner si votre positionnement est bon. Si vous n'avez pas le son du jeu, c'est un peu plus chiant, mais sinon, toutes ces attaques aussi, quasiment, notamment je pense à l'éclair, il y a un petit bruit avant et on arrive à se repérer. Donc je vais le mettre en easy. Lumberman, pareil, là j'hésite entre les deux. Alors pourquoi j'hésite? Vous allez me dire, mais c'est en easy. Alors oui et non. Pourquoi non? Bah si vous savez pas le boop, il est extrêmement chiant. Mais je vais quand même le mettre en easy. Non, je vais le mettre en easy. On va partir du principe que vous savez plus ou moins boop. Donc clairement, si vous savez boop, c'est une tuerie. Hein, il passe son temps à terre. Mais par exemple, je me mets sérieusement au cest là. Parce que du coup, je vais essayer de faire top 100 mondial. Donc il faut que je maîtrise bien les cests. Et je vais pas vous mentir, interrompre en perfect cest, j'y arrive pas. Enfin, pas tout le temps du moins, c'est plutôt rare que j'y arrive. Donc c'est pour ça que j'hésitais entre les deux. Alors on continue avec le Gnasher. Alors le Gnasher, je le mettrai plutôt par là. Je vais le mettre en hard. Parce que ces explosions sont extrêmement compliquées à esquiver. Enfin, pas spécialement. Il est pas facile, mais... Si vous savez esquiver, j'ai envie de dire, il est relativement simple. Si vous savez esquiver tous ces coups de queue, plus les explosions, vous savez où vous placez, il se retrouve ici. Mais le principal problème, en fait, personnellement, qui me pose, c'est les problèmes de stam. Notamment quand il y a deux behemoths, par exemple, surveiller tout, j'arrive pas, c'est pas possible. Et même en 1 contre 1, je me prends souvent ces fucking explosions là au sol. Donc j'évite le coup de queue, mais... Comme j'enchaîne directement mon attaque derrière, du coup je me prends l'explosion, enfin bref, c'est-à-dire que je suis trop loin du behemoth, ou alors trop proche. Donc je vais le mettre en hard, je déteste affronter ce mob. Les lions, j'hésite entre les deux. Si vous avez Inifuge, il est relativement simple. Mais avec son feu, je vais le mettre en hard, hein, pareil. Parce que son feu est très très chiant, il vous bloque une grande partie de la zone. Alors en plus il fait pop des volcans, donc vous avez encore moins de terrain pour vous déplacer librement, donc
c'est assez chiant. De plus, il est imposant, donc si votre FOV est pas diminué, vous allez en chier. Donc là, je fais rip à tous les joueurs console qui ne peut pas la diminuer. Et c'est assez chiant, parce qu'on voit pas, on voit pas bien, on n'a pas un bon champ de vision. Donc c'est assez chiant. Donc pourquoi je le mets en hard. Le Karabakh, je vais le mettre en relativement simple. J'hésite, hein, relativement simple, easy. J'hésite. Pourquoi en fait? Parce que bah, quand il se met en mode invisible, parfois il peut être relou. Non, je vais le mettre en easy. Parce que ces parties cassent très rapidement. Au début du combat, vous arrivez. Voilà, souvent il va faire spawn directement son essence insecte. Pendant qu'il fait ça, vous avez le temps de lui péter la tête. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez ensuite lui péter une aile. Après, l'essence d'insecte cesse relativement vite. Après, vous pouvez lui péter la queue ou l'autre aile. Enfin, vous vous démerdez. Donc, en fait, non, il est simple. Le Koshai, hard ou correct? Je vais le mettre en correct. Le Koshai, il est pas spécialement dur. Il est pas spécialement simple non plus. Hein. C'est pour savoir boop, c'est assez chiant. Faire un boop en perfect sur lui, c'est compliqué. Même au Shenlan, je galère. En fait, il faut être en dessous de lui, donc c'est un peu chiant. Mais à part ça, il a pas d'attaque spécialement chiante. La seule chose qui est extrêmement chiante chez lui, c'est sa tornade qui vous empêche la régénération d'endurance. Mais vous avez moyen de vous démerder pour quand même y arriver. Notamment avec les cestes, vous avez les dash, les chaînes lames, vous avez l'ulti, le marteau, vous avez les munitions ont été rechargées, etc. quoi. Donc il y a moyen de faire un petit quelque chose. Donc je vais le mettre en correct. Le Malkarion, donc là le problème, je risque de pas être très objectif. Donc là j'hésite entre les deux. Alors pourquoi j'hésite entre les deux et pourquoi je dis que je suis pas très objectif? Sachez que le Malkarion, j'ai torché le mob, hein, clairement. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois, donc j'ai vraiment l'habitude de lui et j'ai réussi à le faire en moins de 100 de dégâts, donc c'est pas un problème pour moi de l'affronter. Je peux y aller avec toutes les armes sans problème. Je vais le mettre en relativement passible. Parce que, notamment lorsque vous l'affrontez pas très régulièrement, il peut être un peu chiant au début, vous comprenez pas très bien les patterns, quand est-ce qu'il faut esquiver, vu qu'il est extrêmement imposant, ça peut être compliqué de l'affronter. On passe au Naizaga. Alors le Naizaga, si je disais en épreuve, je le mettrais là, parce que ça a mis au pied pire que chiante, mais là je pense que je vais le mettre en correct. Ça me paraît correct comme difficulté pour la simple et bonne raison que en fait ce qui va poser problème c'est ses nombreux pics. Mais maintenant le problème avec ses pics quand il vous envoie l'électricité c'est que parfois le mob est un peu bugué et les boules passent à travers lui. Donc ça peut être un peu chiant. Donc ce petit bug là est notable, donc je vais le mettre. J'hésite vraiment à le mettre en hard. Hein. Mais je vais le laisser en correct. Je pense que c'est une bonne solution. Le Pongar, je vais le mettre en correct aussi. Alors pourquoi pas autant que les lions? Bah tout simplement parce que la glace et c'est beaucoup plus facile à esquiver. Le type d'attaque c'est le même, hein, c'est la même chose que les lions, mais vraiment le feu c'est pire que tout. Il recouvre vraiment quasiment toute la zone, c'est infâme. Alors que le Pongar, il fait spawn de la glace sous vous, donc vous pouvez pas terminer tous vos combats. Alors c'est un peu chiant, mais ça va. Le quill shot, correct, je vais le mettre en relativement, j'hésite, hein. Je vais le mettre en relativement facile. La technique, quand il se met en mode rage, c'est de se prendre sa rage pour éviter les pics qui balancent avant qu'on puisse l'interrompre. Donc non, c'est pas un mob vraiment, vraiment très compliqué, je pense qu'il y a moyen de faire bien plus dur. Le seul vrai problème en fait c'est ces pics. Enfin moi ce qui me faisait problème quand je le faisais en moins de 100 de dégâts, enfin quand j'essayais de le faire en moins de 100 de dégâts, le seul vrai problème en fait c'était que je me prenais toujours une seule attaque et c'était celle quand il passe en mode rage. Vu que moi j'esquivais la rage, bah derrière après je finissais toujours par me prendre les quelques pics qui arrivent avant qu'on puisse l'interrompre. On passe au Reza. Ça dépend avec quelle arme.
Donc j'hésite entre les deux. Alors pourquoi je dis ça? Bah, parce que c'est un bémol particulier. En tant que tel, il est pas très très dur, hein, mais à mutiler, si on parle de mutilation, je le mets ici, hein, clairement. Il n'y a pas à dire, hein, il est vraiment très 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 chiant à mutiler. Il passe pas beaucoup de temps au sol, alors pour mutiler les 5 parties, c'est très très dur. Souvent, vous allez le finir avant si les personnes de votre équipe tapent. Et en solo, mine de rien, à la lance, c'est pas si facile que ça. Donc j'hésite. J'ai pas mal farmé le Reza, donc c'est pareil, j'arrive pas non plus à être parfaitement objectif. Donc j'hésite entre les deux. Je vais le mettre en hardcore. Ces attaques sont un peu différentes des autres behemoths. Et notamment lorsque vous commencez à l'affronter, bah c'est compliqué. Donc je vais le mettre en hardcore. Bon, le Stalker en hard, hein, notamment au moment où il était buggé. Bon, il a eu plusieurs bugs, mais le bug où il allait ultra vite dans ses portails, limite, c'était. Il fallait limite pré-shot l'attaque parce qu'elle allait vraiment ultra vite. Alors là encore, le Rift, c'est un behemoth assez compliqué, mais il y a moyen de s'en dépatouiller. Vous pouvez assez facilement péter la tête et au moins deux parts, notamment Ceste, je parle. Franchement, vous avez moyen de l'interrompre assez facilement. Il y a pas mal de mouvements d'interruption. Vous pouvez le stunt assez aisément aussi. Donc je vais le mettre en hard et je le mettrai pas en hardcore. Le Shrike en easy, hein. Il n'a aucun mouvement bien compliqué, c'est l'un des premiers behemoths du jeu. Ceci dit, en héroïque, comment dirais-je, son interruption est buggée. Le Shroud, hard ou hardcore, je sais pas, j'hésite. Je vais le mettre en hardcore. Alors, pourquoi? Notamment quand vous commencez à l'affronter, c'est une tuerie, vous comprenez pas forcément ses patterns, vous n'avez pas l'habitude de ses attaques, ces attaques ont une grande portée, limite, mine de rien, ses coups d'aile sont assez importants, et aussi sa corruption est très très chiante, hein, finalement. Donc je vais le mettre en hardcore. Je vais le mettre en correct. Pourquoi? Bah parce que son armure est assez chiante. Je l'hésite elle-même à passer en hard. Hein. Correct, pourquoi je le mettrai en correct? Et ben tout simplement parce que son armure bloque une grande partie des dégâts. Donc il faut d'abord péter l'armure avant de pouvoir faire quelque chose, donc le mutiler, etc. Sauf certaines parties, si vous visez bien, vous pourrez le mutiler même avec son armure. Mais à part ça, il n'y a pas non plus des caractéristiques vraiment extrêmement compliquées. Donc le Skrev relativement facile, il a aucun mouvement bien compliqué, son interruption est pas très très dure à faire. Ce qui peut poser problème c'est sa tornade, pour que lorsqu'elle vous brouille pardon, votre champ de vision. À part ça, il n'y a pas grand chose à savoir sur lui. Le Stormclaw en hard. Alors Romar, enfin oui, non, enfin j'allais dire, sinon moi je l'aurais mis en correct, voire relativement facile, mais pareil, là ça serait pas être objectif. Jusqu'à que je le torche en épreuve, je le trouvais compliqué, parce que j'avais pas la technique pour l'affronter. Donc en fait, il faut avoir un placement bien précis au début du combat, et puis après, si vous faites les bonnes actions au bon moment, vous allez voir qu'il va s'avérer être un behemoth très très simple. Mais du coup, là, vu que c'est pas. On part du principe que vous n'avez pas ces fameuses techniques, alors du coup bah, je vais le mettre en hard, parce que jusqu'à que moi-même je connaisse ces techniques, je le trouvais compliqué. Encore plus avant la mise à jour qui l'a simplifié. Donc je pense qu'il mérite bien sa place en hard. Le Torga, je vais le mettre en. Ah j'hésite, hein. Correct ou hard, je vais le mettre en correct, parce qu'il n'est pas non plus extrêmement dur. Mais notamment lorsque vous commencez à l'affronter, bah, vous ne comprenez pas forcément quels coups qui font mal. Et vous comprenez pas forcément non plus les après-attaques qui vont faire des dégâts. Après, bien sûr, il faut monter sur lui, mais si vous n'êtes pas, par exemple, pas Forge Crâne, bah, vous ne pourrez pas. Et enfin, le dernier, le Valomir. Alors. J'hésite entre hardcore et hard. C'est une bonne question, c'est une bonne question.
Je vais le mettre en hardcore. Pourquoi je le mettrai en hardcore? Bah, tout simplement parce que ces boules qui fait pop sont extrêmement chiantes. De plus, son mouvement d'interruption est très compliqué à voir. Enfin, il n'est pas compliqué, mais long à voir. Vous allez devoir attendre un long moment au début du combat. Et vraiment, je pense qu'il mérite très très bien sa place en hardcore. Et là, personnellement, je vais vous dire ce que je pense de lui. Alors, je pense que c'est un mob compliqué au départ, notamment vraiment quand on commence à l'affronter. Mais après l'avoir affronté quelques fois, je le mettrai en correct. Pourquoi je le mettrai en correct? Bah, tout simplement parce que, en fait, il a que peu de PV et le Brick Part. Le stun sont assez faciles à avoir. Après, vraiment, les mouvements sont au départ assez difficiles à appréhender. Il faut l'affronter au moins 2-3 fois avant de comprendre bien comme il faut ses patterns. C'est pour cela que je mettrai du coup en difficulté correcte, comme le Kosha, le Torga, etc. Bon, bah, sur ce, j'espère que cette tier list vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, à plus!